toutes et à tous, les voici, on est parti ensemble dans la suite de notre SPR sur Tree of Friendship and Madness. Et vous vous souvenez sûrement ce niveau qui nous fait galérer depuis un bon moment déjà. Et là aussi il semblerait qu'il y a un truc. Donc oui, c'est la première fois que nous avons été, devrais-je dire, coincés. Et qu'il va nous falloir trouver une solution pour essayer de terminer ce niveau au plus vite. Alors cette fois-ci on a compris, voilà, les âmes doivent aller là. Si par contre pourquoi par contre il y a des âmes qui ne passent pas? Si, en fait j'ai envie de tester un truc, est-ce que je peux bloquer? Ça oui, ça peut passer. Ah mais je peux pas même moi passer. Est-ce que par hasard c'est pas fait exprès pour qu'on bloque ce rayon? Parce que je pense que si on bloque, on va sûrement pouvoir laisser passer les autres petites boules de lumière. Maintenant, on a un peu mieux compris ce système. La dernière fois, je pense que c'est vraiment ce qui nous a pénalisé. Il nous a fait prendre pas mal de temps. Voilà. Donc là, petit à petit, ça s'enlève. Et ça laisse passer, je suppose. Par contre, ouais, bon, si je les touche, ça va pas aider. Alors, voyons voir. Elles vont où? Gauche. D'accord. Bon, en tout cas, ça semble déjà passer toutes les étapes là. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui est caché où je suis censé voir une main apparaître en mode je peux l'enlever. On va espérer qu'ils sont pas assez fourbes. Là je pense juste le levier, c'est ça? Ok. Attendez, c'est juste ça pour avoir une statuette? Ça fait bizarre. Jusqu'à maintenant on a quand même vachement galéré. Et là ce serait donné aussi facilement. Ah je dis pas non. Je pense qu'on l'aura bien mérité celle-là. Ok. D'accord. Donc c'était juste ça pour la deuxième. J'espère que je vais pas regretter de pas l'avoir fait au dernier épisode et de vous avoir fait un épisode. Enfin, j'aurais peut-être pu vous faire un épisode 1 chouïa plus long. Donc là, voilà, là c'était le coup classique. Mais quand on était passé là. Non, c'était où? La première fois, on était passé en dessous. Ensuite, être passé en dessous. Ah, excusez-moi, j'ai le téléphone, je reviens. Voilà, excusez-moi, appel téléphonique qui vient déranger notre épisode, je sais, vous êtes triste. Mais ne vous inquiétez pas, nous reprenons de plus belle. Donc, la dernière fois, on était passé par ici. Ah oui, si, c'était bien par ici. En plus, j'avais trouvé ça assez bizarre. On avait en plus fait en sorte que la plateforme tourne. Oui, elle s'était tournée la plateforme. Mais si on tombe, ça fait quoi? En fait, j'ai envie, à la fois j'ai envie, à la fois j'ai pas envie. Donc là, je peux pas. Mais est-ce que... Si je fais ça... Ah, mais je peux plus appuyer sur les boutons? C'est fini? C'était juste pour faire ça? Non, j'ai pas l'air de pouvoir cliquer. Et si je tombe? On est ici! Ouais, ou après, là, c'était le bordel. Ok, oui, je vois un petit peu mieux. Ah, et finalement, suivre ces petites âmes, ça nous indique un peu le chemin à parcourir. Mais attendez, donc c'est-à-dire que depuis le début, si, imaginons, maintenant je re-suis. Peut-être qu'en fait, ça va juste me diriger où il faut. Donc là, ça a l'air de monter. Donc là, on est d'accord, j'avais tout ce qu'il fallait. Là, on va se calmer. Attendez, voilà. On fait les choses correctement. D'accord, c'est l'air de monter par là. On va suivre. J'ai envie de voir parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le nouveau concept de gameplay qu'ils ont introduit là. Allez, on monte. On escalade l'Everest, tel un guerrier des temps modernes. On va y arriver. Mais j'avoue que ça me fait un petit peu bizarre à quelle vitesse on a récupéré le deuxième. Statue renard. Là. Voilà, donc là je suis ici. D'accord, donc là oui, on est revenu où on était depuis le début. Et il n'y avait rien d'autre. Là, semblerait qu'il y a un trou. Alors, est-ce que il y aurait une statue, une idole inutile? C'est quand même bizarre qu'ils aient choisi ce nom quand même. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah, celle-là, c'était par où j'étais arrivé. D'accord, c'est juste pour donner, je pense, une vision. Ou peut-être que ça nous indique les endroits où après on peut bouger des blocs. C'est-à-dire que si on revient sur la zone, on sait que c'est là où les blocs sont modifiables. Donc là, on repasse. On suit le chemin. Allez, on retourne. Par contre, la troisième statue, la question est... Comment allons-nous y accéder? Ah, je fais n'importe quoi. Ah, mais en fait, je vais pas du tout au bon endroit, là. J'ai... Attendez, bon, on va refaire. Ah oui, il y avait la statue là. Je me rappelle. Et je crois... On n'y a pas réussi parce que, justement, il doit falloir... Il doit y avoir... Regardez. Je pense qu'il doit y avoir un bloc qu'on doit pouvoir bouger. Il n'y a pas une main qui se met par hasard sur l'un de ces blocs. Je suis presque persuadé qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'à tous les coups, vu comme ils ont fait... j'ai pas envie de dire trop le mot, mais... Comme ils ont embêté... Bon, en tout cas, je vois pas où c'est. Donc, au pire, c'est pas le plus important pour l'instant. Ouais, bon, là, on était revenu ici. Là, je suis en train de faire le tour. C'est génial. Bah, on va retourner où on était. Mais en gros, il y a quand même moyen d'y accéder beaucoup plus rapidement. Là, on avait fait ça pour quoi? Pour que les âmes puissent passer, pour avoir ici, pour qu'on arrive là. Et après, là, il y a aussi une plateforme. Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois qu'on n'est jamais venu par ici. Ah! Si, on revient là. Si. D'accord, et donc là, il nous manque la troisième et dernière statue. Ah, et ça s'est refermé, je peux plus passer par là. Mais ils sont fourbes! Donc, vu que je suis arrivé là, que j'ai pris la statuette, j'ai activé ça. Est-ce que par pur hasard, si... Mais je crois que j'étais déjà passé par en dessous, mais bon. On n'est jamais trop sûr, vu que j'ai l'impression que parfois d'avoir fait des choses, et ce n'est pas vraiment le cas. Ok. Non, ça me dit absolument rien. Non, on n'est jamais venu ici. Ok. Et qu'est-ce qu'il me raconte? How did you? D'accord, donc oui, c'était bien là depuis le début et j'aurais dû avoir un peu plus la curiosité. Alors, l'énigme, quelle est-elle? Je peux modifier l'endroit. D'accord. Ça, c'est quoi comme rayon? C'est un rayon rouge? Attendez, je vais tester très rapidement. Ok, je ne pensais pas mourir. Mais bon, on apprend de nos erreurs, hein. Et vu qu'on a eu la petite sauvegarde toute seule. Alors, la question est, si on doit faire un triangle, on a moyen d'utiliser ça comme plateforme. Ça, c'est cool. Si on l'active, on arrive à mettre le rayon. Oui, bon, merci. Toi, on sait déjà ce que tu nous as raconté auparavant. Il doit falloir réussir à réfléchir le rayon. La question, c'est... Comment peut-on faire? Attendez, si je fais comme ça... Ouais, c'est... Parce que le reste, le problème, c'est que tout le reste, c'est du bois, quoi. Ouais... Je peux même pas le... J'arrive même plus à effacer le triangle que j'ai fait. C'est génial. Bon, vous avez l'habitude, je vais voir comment je peux me débrouiller. Alors, je vous reprends en fait même 2 secondes après. Je viens de me rendre compte un truc. Si on fait ça, puis qu'on... En fait, quand j'ai fait le triangle, c'est juste pour vous montrer après, je vous relaisserai sûrement, mais... Regardez, et si je bouge, le triangle reste dans les airs. Alors, je sais pas si le fait, par exemple, de faire un truc comme ça... Imaginons, voilà, hein,
je profite de pouvoir créer plusieurs triangles dans différentes positions. Et après, je ferai un plus gros triangle. On va essayer plusieurs positions. Parce qu'après, en fait, on peut juste relier les triangles entre eux. C'est comme si ça faisait office de mur. Ok. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, regardez, par exemple, je peux faire ça. Voilà. Pourquoi pas? Est-ce que je peux le descendre? Non, c'est pas ça pour descendre. Peut-être là? Non plus. Alors, c'est comme ça. D'accord. Donc là, il nous manque... Non, non, il nous manque la configuration. Mais pas celle-ci. Celle-ci. Et là, je crois qu'on a toutes les configurations possibles. Est-ce que maintenant, j'aimerais... Voilà, dégager le triangle pour pas que ça me dérange. Si j'ai envie de faire un angle qui redirige, faudrait peut-être faire un truc à... Ça va être assez dur. Attends, et si, imaginons, je crée mes propres murs maintenant. Pour avoir plus de points d'ancrage. C'est pas bête du tout, hein. C'est absolument pas bête. Ok, après, comme ça, voilà, je fais... En fait, c'est comme si je construisais mon mur. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, j'ai construit mon mur. Et je pense que je peux faire l'angle... que je désirais depuis le début. Par contre, pour ça, il faudrait peut-être deux comme ça. Voilà, et maintenant, il faut juste que je trouve l'ajustement optimal. Voilà, donc là, si je bouge ça, non. Par contre, en fait, je... Pourquoi ça m'a enlevé le point? D'accord. Aïe, non! Oh là 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 là. Ouais, il manque juste un petit peu plus sur le côté. Est-ce que je peux? Un petit peu. Yes! Au final, j'ai même pas eu besoin de vous l'ellipser. J'ai compris, en fait, quand on a fait le petit... J'ai fait le petit triangle que j'arrivais pas à effacer et que j'ai bougé. J'ai vu que le triangle restait. Et après, c'est vrai que... Un peu de fil en aiguille, on aura deviné assez rapidement. Donc là, je peux avancer. Toujours faire attention de pas couper les lumières. Parce que sinon, après, je vais me demander pourquoi ça ne marche pas. Ok, donc. Là, j'ouvre la plateforme. Est-ce que j'ai moyen de passer par là? Ça, c'est la question. Non, pas comme ça. Est-ce que déjà, ça... Je vais voir si ça annule en fait les... Non, ça n'annule pas. Et est-ce que je peux passer par là? Oui! Ah, et ça active là-bas! Et là, une dernière et c'est bon, non? Oui, parfait, parfait, parfait! C'est exactement ce qu'il nous fallait! Et maintenant, on peut directement aller accéder à la plateforme là-bas. Bah si donc, si on aura fini le niveau en... Je pensais sincèrement qu'on aurait au moins pris une demi-heure. Alors peut-être que je crée victoire trop vite, hein. Je vais attendre déjà de compléter et d'être sûr d'avoir la dernière statuette avant de crier victory. Eh bah oui, bah il y a bien la statuette. Donc on a bien la troisième statuette. D'accord. Et donc je peux placer les trois. Ta-ta et ta-dam ! Le petit renard, bien entendu, est parti se cacher. Et ensemble, nous validons ce niveau. Hors des sentiers battus, 187 tris. Au final, il m'aura fallu plus d'une heure. Ouais, donc par rapport au dernier épisode, on a rajouté un quart d'heure à tout casser. D'accord. Alors là, pour le coup, plutôt que de s'arrêter, je pense qu'on va un petit peu continuer. Là, malheureusement, peut-être que ça va nous faire un petit décalage et qu'à chaque fois, on terminera dans un épisode un niveau, un chapitre. Et que dans l'autre, on commencera un autre chapitre. D'accord, ça je peux y balancer. Par contre là, on est complètement dans le vide. What the fuck? Mais c'est quoi ce niveau? D'accord, donc là il y a l'autre. Il faut juste regarder attentivement. C'est-à-dire qu'il y aura des plateformes invisibles, des trucs comme ça? Bon, ça on peut y casser.
Mais ah, mais d'accord, il y a bien des... Il faut juste regarder attentivement, disait-il. D'accord. Ouais. Et en fait, on peut s'assurer en créant après nous-mêmes les plateformes. Ok, c'est compris. Mais non, mais saute pas dans le vide comme ça, mais non. Sois intelligent, mon cher. Un petit peu de réflexion. Ah oui, quelqu'un m'a fait remarquer une fois, j'avais essayé quand il y avait un... Au plafond, il y avait une sorte de truc chelou. Et je comprenais pas. What? Ah, on peut changer de gravité. Oh non, ça va être compliqué. Va falloir que je réfléchisse. Bon, on va rester déjà dans le bon sens pour l'instant, hein. Avant de vouloir compliquer à changer de gravité, faisons simple. Donc oui, quelqu'un me disait, en fait, c'est juste la zone de téléportation. Quand j'appuyais, en fait, sur le bouton pour essayer d'aller sur la plateforme. Ah, d'accord. Ah, c'est une plateforme. D'accord. D'accord, donc je ne peux pas... À première vue, y aller comme ça. Bah super, hein. Ah bah bravo. Ah bah bien joué. Bon, moi je peux. Oh, une idée inutile. Moi je prends, hein. Par contre là, y a aucune plateforme invisible. Nope, nope. Et ah, et je pense que là c'est. Non, peut-être y a d'autres exemples d'endroits où. Super visible. Donc là-bas, il y a une statuette. C'est très bien si on arrivait au moins déjà en avoir une cet épisode. Ouais, non, mais dernier épisode, j'ai vraiment bloqué avec ces bouboules cheloues. Donc j'avais pas compris le concept, c'est pour ça que ça m'a fait perdre du temps. Ok, donc je crois que j'ai pas le choix de passer, de changer de gravité. Parce que là, je ne vois pas où je peux aller si je ne fais pas ça. Donc c'est ce qu'on va faire et on va voir si ça nous ouvre, si ça nous ouvre de nouvelles opportunités et de nouveaux chemins d'accès. Donc là on a tourné. Donc tous les triangles que j'avais fait, heureusement, ça reste aussi dans l'autre sens. Allez, mais bordel! Tu vas monter? Tu vas écouter? Ok, donc là, vu que j'ai tourné, peut-être que ça a fait un truc, non? Ah, ça a même changé ce point-là. Ah, et ça me remet sur la bonne gravité, mais dans l'autre sens. Waouh. Non, je crois que ça m'a juste téléporté pour le coup. Ça m'a pas remis dans la gravité habituelle. Ça rebondit. Si j'enlève. D'accord. Et ça rebondissait où jusqu'à maintenant, que je sache? Donc là, on remet. Et où va la lumière? C'est vraiment la question que je vais me poser. Si je tombe là... c'était pas bon. Par contre, je crois qu'il y avait une idole inconnue. Ah non, mais vous allez pas me ramener là. Non, faites un petit effort, s'il vous plaît. Allez, on se ressaisit. On est plus sérieux, on fait les choses bien. On ramasse des statuettes, on s'en sort très bien. Voilà, donc là, je suis de retour ici. Waouh. Je sais pas si je dois sauter n'importe comment. Ça me paraît quand même bizarre, hein, mais... Ah, aussi, pourquoi pas. Donc là, il y a différents chemins. D'accord, donc là, c'est les deux mêmes chemins qui nous guident là. Là, on a du bois. Bois qui sert à... Aucune idée. La réponse est, je n'en sais fichtrement rien. Je suis bloqué? Ou alors faut-il que... Comment je fais pour sortir d'ici? Une plateforme? Non. Comme ça? Ouais. Même si ça me semble, je dois bien vous l'avouer, assez louche.
Y a pas moyen d'y retourner? Alors, ça me semble quand même bizarre que, au grand hasard, il y a un truc là et qu'il n'y a rien à faire, quoi. C'est, on va se l'accorder, c'est très étrange. Surtout que là, on voit bien, il y a un fil connecté. Est-ce que par hasard, si j'enlève les trucs blancs, ça va l'activer? On va essayer, on va essayer. Alors, on retourne en arrière. Pour ça, je suis par contre obligé de faire relamontada. Et hop là, travail, magique. C'était plus à droite ou à gauche? Peut-être plus là-bas, je crois. Ok. Donc là, ça c'est désactivé. Là, voilà, il n'y avait rien de base. En fait, moi je me demande c'est d'où viennent, enfin où vont les lumières blanches. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a désactivé un truc? Est-ce que ça... Non, ça... Enfin, attendez, on vérifie bien, mais... Non, là, c'est toujours la même couleur, ça n'a pas changé. Ah! Plateforme 2, mais 2! C'est bon. Donc, on va essayer de remettre la lumière blanche. Et d'être un petit peu plus fins observateurs. Non, c'était là-bas. Déjà, il y aurait, ce serait bien de récupérer cette statuette. Ça va où? J'arrive pas à voir. Je peux pas tomber. Du genre là. Voilà, donc ça va où? Il y a un bloc qui a l'air de cacher et d'empêcher. La question est... Comment en fait je fais pour remonter? Parce que là on voit, voilà, là il y a la grille. Est-ce que depuis là... Non, clairement, c'est trop loin. Je ne peux pas. Alors avant de me tuer pour rien, autant... Ouais, quoi qu'attendez, on va quand même sauter dans le vide. On va refaire le chemin, c'est pas grave. Maintenant que j'ai compris, peut-être que de l'intérieur, en fait, depuis le début, il y a, maintenant qu'on a vu, il y a moyen, enfin facilement, faut trouver le bloc à enlever qui laissera passer la lumière blanche. Allez, on monte. On passe par ici, on repasse par là, la petite téléportation. Maintenant, la question est, quel est le foutu bloc? C'est ça la question. Il doit y avoir un bloc en particulier. Attendez, faut qu'on essaye de se donner des points de repère, sinon on va jamais y arriver. La lumière arrive de là. Arrive par là et elle tombe. En gros, ce qu'on a vu, c'est là. C'est le côté droit. Donc là, je me déplace ici. Je me tourne comme ça. Non. Et si maintenant je rebaisse de niveau? Non plus. Ou alors est-ce qu'il faut faire rebondir? Est-ce que je peux passer par l'extérieur pour essayer d'enlever ce machin? Parce que si je passe par l'extérieur, vu que je vois exactement où est le problème, il y a peut-être moyen que j'essaye de faire quelque chose. La question c'est... En fait, il faudrait retourner le monde pour que ce soit plus simple. C'est là. Il n'y a pas moyen... Ah, regardez, comme ça je peux... J'ai le point à peu près exact où se situe... En fait, on voit bien que c'est sur l'extérieur. Donc bien sûr que je peux pas passer par là. Ok, donc... Est-ce que, par un plus grand miracle, j'ai moyen de faire quelque chose? Bon, je vais regarder un petit peu de mon côté, je vous reprends dès que j'ai trouvé une petite solution. En fait, je suis débile, hein. Mais en fait, je suis sincèrement débile, hein.
Depuis le début, j'avais juste à tester ce machin. Je pensais que ça me faisait revenir où c'était, mais non, même pas. Bah bravo Nils. Ah bah super. Et là, bam, ça rebondit ou pas? Ça rebondit ou ça rebondit pas? Oui, ça rebondit. Après, faut encore refaire rebondir là. D'accord, donc depuis le début, c'est moi qui ai fait de la merde. Et là, forcément, ça va ouvrir. Qu'est-ce que t'as à me dire? A chaque fois, j'en profite pour boire un coup. Voilà. Donc, maintenant que nous avons résolu cette petite affaire, normalement, on devrait re-retourner le monde. Ouais, c'était bien faire rebondir. C'était. On pouvait penser, parce que à un moment, ils aimaient bien nous faire cacher des blocs. Et on tourne. Et là, au grand miracle, normalement, ça a dû... Ça a dû faire je ne sais quoi. Ok. Alors j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce que nous avons fait. C'est censé nous ouvrir un nouveau passage? Faire en sorte de débloquer quelque chose? Ou alors est-ce que si je pars de l'autre côté, ça me donne une plateforme? Attends, et si on passe? Voilà, donc là, donc on a activé. Ok. Et si je m'amuse, là, on va ne plus alimenter cette partie-là. Donc là, ça devrait se perdre au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Ah, mais la plateforme aussi là-bas, ça l'a fait bouger. Ah, et ça, c'est remonté. Ok. D'accord, au moins, je vois un petit peu plus ce que ça a bougé, ce que ça a changé. Je vous avouerai que c'était quand même un peu délicat de tout comprendre, hein. Donc nous, bien entendu, comme d'hab, hein, on fait des fous. D'accord, donc là, il y a le classique. Maintenant, on va remettre le triangle magique pour que ça rebondisse correctement. Et qu'on reprenne les bons effets. Hop là. Allez, il en faut 4. C'est pas grand-chose. Les vases, on les adore, on les casse. On fait comme dans Zelda, on s'y croirait. D'accord. Ah, et ça fait un escalier ici. Waouh. C'est quand même bien plus complexe que ça en a l'air. Hein. D'accord, donc là, on a remis la plateforme là. Ça, ça fait l'escalier. Moi, je pense qu'il nous intéresse. Ah, et peut-être que je peux retourner maintenant la gravité. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, là, c'est aussi très bordélique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? De par ici, je peux faire un lien, non? Ça semble quand même un peu loin. Hop là! Ouais, j'ai du mal quand même à juger où il faut aller, ce qu'il faut faire. Si, maintenant. Parce qu'on avait vu qu'il y avait une statuette, mais je crois qu'il est... En fait, elle est en dessous. Et maintenant qu'on a mis l'escalier, peut-être que le fait de revenir en arrière... Parce que le fait de remettre cet escalier pour nous permettre de revenir ici, c'est pas anodin, quoi. Donc si je repasse par là, peut-être que ça ne sert à rien et que je viens de faire de la merde, hein. Je suis prêt à vous l'accorder. Allez, mais... Non, mais il reste bloqué pour absolument rien du tout. Donc là, voilà, là, on voit bien la statuette. Donc là, on fait le petit saut. Attention, on ne tombe pas. Donc là, on a bien la plateforme. Oh, punaise! Mais je suis tombé là-haut! Et là, je vais me reprendre la tête. Non, c'est bon. Je suis tombé dans le seul endroit où il ne fallait pas. Bravo, GG, moi. Et maintenant, on n'est pas obligé de retourner. On peut rester là, vu qu'il y a la plateforme qui est là.
En fait, on pouvait déjà avant aussi, mais bon. Je ne sais pas ce que c'est censé avoir changé. Telle est la question. Sachant que je pouvais juste reprendre le truc à côté pour changer la gravité, si c'était que ça. Ouais, c'est vraiment... Je pense qu'on a besoin peut-être un peu plus de recherche de mon côté. De toute manière, je vois, on est déjà à plus de 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Au moins, prochain épisode, on aura déjà un peu vu à quoi ressemble le monde. Ça nous aura donné une idée des nouveaux styles de gameplay. Et comme ça, pour la prochaine fois, on sera mieux paré. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous avez des conseils, que vous avez une idée de comment s'y prendre, ce que je devrais faire, pareil, faites-vous plaisir. Je ne refuse jamais un petit peu d'aide. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous.